Alors, à chaque rentrée, rituellement, il y a forcément petit réaménagement du bureau. La caractéristique d'un bureau, c'est que on ne peut pas pousser les murs. Il faut bien se débrouiller avec ce que c'est. Mais faire une petite visite, je crois que c'est moins pour montrer que pour moi, garder les traces. Ça se présente comment le boulot à tel moment. C'est encombré aussi, même des côtés qu'on ne voit pas dans les vidéos. Par exemple, ces deux lumignons, je me suis acheté ça il y a 2 ans. C'est commode parce qu'on peut les régler par Bluetooth. C'est les moins chers. Mais on dispose aussi de petits calques photos, de papier calque spécial photo qu'on peut accrocher devant et ça sert de diffuseur. Là, je vous éblouis, mais c'est pas grave. Si je retrouvais un petit peu de liberté d'investissement, je crois que ce serait un lumignon avec diffuseur. Ce serait vraiment ça, le prochain achat. Là, sur la table de côté, bah, depuis 6 mois, c'est le projet Rabelais. Alors, il y a des bouquins, c'est une sorte d'atelier mobile, mais je ne sais pas où le mettre. Mais par exemple, dans le garage à côté, j'ai un carton largement plus gros que ça avec les livres Rolling Stones, les livres Led Zeppelin, etc. Le matériel aussi. Là, la bonnette pour justement enregistrer en extérieur, ça, c'est ce que je m'étais offert là, pour le projet Rabelais. C'était vraiment vital. Puis au-dessus, oh, disons que j'y regarde même plus, quoi. C'est une partie musée des disques, des 33 tours Plastic Ono Band, ça qui m'accompagne depuis que j'ai 16-17 ans, enfin en tout cas ce qui reste. Enfin, des DVD qui m'ont servi justement pour les livres rock, un carter boîte automatique offert par Bergugno qu'il avait trouvé dans une casse, ça c'est là depuis très longtemps, portrait de mon arrière-grand-mère, un peintre à l'huile, amateur comme ça, et mon litré, le Get Your Hair Out de Stones, un tirage de Tabuki Monnier, ça symbolique aussi. Et puis là, l'étagère du fond, bah, les utilités, c'est mes propres bouquins. C'est pas que je les regarde, mais des fois il y a à scanner, il y a à vérifier. Une étagère qui est spéciale, alors, on n'y voit plus rien du tout, mais vous me faites confiance avec des objectifs et puis un petit peu les résidus de boulot sur le son, le livre qu'on avait fait avec Arnaud Delacote sur la périphérie nantaise. Tiens, Ardouvin, c'est son anniversaire aujourd'hui. Là, c'est plutôt des livres d'art, mais qui me servent aussi pour le boulot quotidien. Puis évidemment, la partie vivante avant, tiens, l'autre étagère, bah, les livres en vrac. C'est aussi là où j'ai le stock de la librairie tiers-livres. Ça, par contre, non, c'est les Lovecraft en collection point. Encore du Rabelais, encore du Lovecraft. Là, j'essaye de faire un petit déstockage, justement, des titres tiers-livres éditeurs pour retrouver un peu d'air. Quand je disais partie vive, c'est le GH5S. Ça fait 3 ans qu'il est là maintenant, celui-là, il est sur son pied, il bouge pas, mais c'est lui qui cadre en plan fixe pour les vidéos ateliers, comme les vidéos Zoom aussi. C'est rare que je l'embarque au dehors, mais enfin bon, pour Rabelais, ça arrive que je travaille à deux caméras. Il est branché sur un petit moniteur. Pourquoi il ne s'allume pas le petit moniteur? Tiens, si, voilà. Ça me permet de vérifier les cadrages et l'exposition. L'autre caméra, celle que je tiens en main avec les petits micros cravates dont je devrais plus me servir aussi parce que c'est ultra souple et j'ose pas encore m'en servir assez à l'extérieur. C'est un petit zoom wireless go et pour les interviews et tout ça. Je ne le fais pas assez, il faudrait. Mais ça, c'est l'autre appareil, le S5, avec son objectif 18, dont je me sers justement pour les vidéos Rabelais. Pour le son, il est monté sur Zoom F6. Lui, ça fait 2 ans qu'il est là, mais alors franchement, aucun regret, quoi. C'est le niveau pré-professionnel, je dirais,
les zooms et le F6, c'est du 32 bits flottant, ça veut dire qu'il corrige si je parle très très fort. Il va me servir un signal ou très chuchoté que je pourrais reprendre en, là avec Final Cut sans aucune distorsion ni déformation. Il est relié à un micro NTG3, ça non plus je regrette pas, c'est ce qui m'a changé le plus la vie, investir dans un micro un petit peu correct. Et ça veut dire qu'on peut parler très près ici et on va avoir un son très podcast. Il est directionnel, donc il ne prend pas trop les bidouilles qu'il y a autour. Et je l'emmène aussi, lui, en tournage extérieur. Là. Donc tous les Rabelais, c'est lui que j'insère dans la grosse bonnette. Et évidemment, il ne faut pas le braquer directement sur la bouche. On le braque un petit peu sur les commissures des lèvres, mais c'est pour ça aussi que je le contrôle au casque. C'est quand même une bête de sport, mais bon, pour nous, si on prétend faire de la littérature en ligne, le micro, c'est évidemment essentiel. Là, je vais être parti aussi dans le Rabelais des versions, une version podcast et clé, tout la lecture audio sur une clé USB, les livres du travail. Tiens, il y a Gertrude Stein en ce moment qui est pas mal par là. Et puis ça, c'est mon micro, celui que j'ai justement normalement sur l'appareil là que je tiens en main. C'est un micro plus simple, un micro journaliste, très directionnel. C'est le Sennheiser MK600. C'est celui que j'utilise aussi pour les carnets. C'est quelque chose de très très souple. Un bouquin à moi, ça s'appelle Peur. Il est en vente sur la librairie Livre, ça donc c'est ce que je vois quand je suis dans mon poste de travail. Et si je voulais faire cette vidéo, c'est évidemment ce qui a changé le plus là, ces derniers temps, c'est mon MacBook qui a 4 ans et qui a crashé, mais ça faisait plusieurs mois là qu'il était qui ralentissait, j'arrivais plus à faire de zoom, j'arrivais plus, les montages Final Cut, c'était une plaie incroyable. Bon, il a rendu l'âme, il n'a même pas voulu rester comme petit ordi de dépannage, ça m'aurait bien arrangé pour la mobilité. Bon, j'ai un peu raclé les fonds de tiroir, je suis passé à un modèle studio, c'est une espèce de gros pavé, vous voyez, avec plein de connexions de tous les côtés. Et il ne fait pas un bruit, il ne chauffe pas, même quand on lui tire sur la figure avec des exports vidéo. Il est relié à un disque dur que lui, j'avais déjà depuis un moment, un 10 Tera Octet de la compagnie. Mais enfin bon, c'est le duo qui fait vraiment le cœur de la machine. Le petit boîtier à côté, c'est pour la connexion, basculer l'appareil sur les zooms et les directs. Le dispositif écran externe, souris, clavier, il m'a duré 3 ans le précédent, mais c'est des pièces d'usure, quoi. D'où l'intérêt de travailler comme ça. Ça, j'y suis déjà habitué. Quelques images, mais c'est aussi à cause des vidéos. Tu comprends, le fond des vidéos, bon, il faudrait repeindre, avoir une peinture mate ou assourdie. Bon, c'est parti comme ça, et puis par paresse, ça reste comme ça, mais c'est un petit musée aussi. Tiens, un RAM doubleur, quand on faisait ça sur nos Mac autrefois, et quelques amis plasticiens qui font la gentillesse des fois de m'envoyer des trucs. Ou tiens, Littré, qui était mon premier CD-ROM, puis Lovecraft, Kafka, Stones, Balzac, Lovecraft, Baudelaire, San Francisco, Bacon, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, c'est plus symbolique aussi tout ça. Là, la grande étagère qu'on aperçoit souvent aussi dans les vidéos, pour moi, c'est vraiment une bibliothèque de travail. C'est-à-dire que là, par exemple, les 3 rayons, c'est les livres que j'utilise en atelier d'écriture, tout simplement. C'est-à-dire ça aussi, c'est une bibliothèque outil qui s'est constituée sur la durée, affinée, précisée. Et si vous avez vu là, le pack que j'ai mis en place là, sur le site avec 350 A4 qui sont les fiches que je distribue ou que j'utilise en atelier, pour moi cette recherche là, c'est encore quelque chose de formidablement actif. Bon, c'est pas une bibliothèque affective, sauf plus haut, là encore les réserves Rabelais, les réserves La Bible,
d'autres choses, les collections de livres japonais. Jacques Abeille, tiens, ça c'est symboliquement présent aussi. Et puis la petite bibliothèque du fond, qui là est plus une bibliothèque de travail. Les livres sur comment penser justement l'histoire du livre ou l'histoire du web, Marshall McLuhan ou La Ville, Jean-Christophe Bailly, le dépaysement, ou les Simondon et les Flusseurs. Ça, c'est vraiment le quotidien du boulot, et avoir son Racine à portée de main, la Gertrude Stein. Et puis, si je passe tout doucement, là, c'est la grande étagère Lovecraft avec mon copain Guy Jousmet au-dessus. J'avais fait une vidéo, j'ai pas eu de nouvelles depuis, évidemment, ou malheureusement. Et là, le projet Lovecraft, non, c'est pas du stand-by. Il y a toujours cet essai sur Lovecraft à New York en 1925. Et puis, là, je continue Rabelais pendant un semestre, mais c'est bien prévu quand 2024, on reprenne une chronique Lovecraft totalement différente, et ça aussi, ça se prépare maintenant. Voilà, c'est la visite de mon bureau. Je vous ai pas parlé de mes guitares parce que elles servent pas, c'est un petit peu symbolique ça aussi. Mais pour l'instant, j'aurais du mal à dire non, je les évince. Partager ça avec vous sans coupe ni reprise, c'est maladroit, mais c'est comme ça, et c'est bien que ce soit comme ça. Trace pour moi-même.